Et hop tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus, sur un petit glour céleste. C'est casse un peu les couilles là-bas quand même, hein. Ouais, je vais venir là. Là. Hop là. Sur un petit glour céleste du coup. Du coup, comme c'est la troisième tenta, ça va être la troisième fois que je raconte tout ce que je vais vous raconter. Ce qui est super fun. Bon, je vais jouer mon tour tranquille. Tac, on file les PA. On change pas de strat, on se planque. Voilà. Du coup, toujours, toujours avec le petit pote Floyd et son énu. Hein. Il avait une petite quête à faire. Que je l'accompagne, histoire de. J'avais, il manquait un glour pour finir les succès et avoir. Sans froid ni loi. Du coup voilà, c'était fun. J'ai pu voir mon petit succès, ça fait plaisir. Bientôt 5600 points de succès. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup voilà, pour ceux qui connaissent pas le glour. Ah ça par contre, je commençais par le connaître par cœur avant de le répéter. Le glour. Tu enlèves pas de PA, pas de PM, pas de PO, rien. Tu le regardes même pas. Voilà, tu vois, tu mets un rouleau de PQ. Ouais, je sais que t'en as un sur ton bureau, fais pas semblant. Sur sa gueule, comme ça, tu le vois pas, tu fais pas gaffe. Tout ce qu'il faut voir, c'est déjà que ces trois petits trucs là, ils dégagent. Faut énormément se méfier de lui qui pousse de deux cases, parce que les deux poussent à one shot là-dedans. Fais gaffe, c'est pire que le RM. Moi, je me dégage de là parce que c'est relou. Hop. Tac. Et j'ai fait de la merde. Non. Toi tu crains combien? 15. Ouais. On va filer ça. Du coup là, il y a lui qui pousse, donc faut faire gaffe. Il y a, je crois que c'est lui qui. Il attire. Ah, il y en a un qui attire, enfin bref. Voilà, c'est le gros bordel, faut faire super gaffe quand on entend pas. Donc voilà, on les tue vite et après on arrive contre lui. Lui, quand on arrive contre lui, il faut faire gaffe. Parce que du coup, si on l'enlève de la PO, il en réinvoque deux. Et c'est pas rigolo, la première tenta, c'est comme ça qu'on est mort. La deuxième, on a juste fait de la merde en fait. Faut assumer des fois, faut assumer. Et on a fait de la merde. Et du coup, là on retente. Faut savoir que la team est presque au complet là, puisque on avait pour projet de faire Free 3 parce que on ne l'a jamais fait ou pas fait depuis très longtemps. Moi pour ma part, jamais fait. Floyd ne l'a jamais fait non plus, il me semble. Et donc, on a trouvé un petit Kra pareil dans la guilde, super sympa, même état d'esprit que nous. Kra 200 qui. Là, je tape pas là. Là, il n'y a pas moyen. Je vais faire des drakes pour heal. On va faire des drakes pour heal. Ok. Ok. Et... Bref. On se dégage du milieu. Hop. Du coup voilà, un Kra 200 aussi, super sympa, il revient dans le jeu en fait. Il cherchait quelqu'un pour l'aider, il voulait faire un morceau royal histoire de se refaire la main. Et il voulait un heal, moi je m'ennuyais, je voulais le faire passer à mon roublard. J'ai fait bah écoute, si tu veux bien que je prenne mon roublard, je viens avec toi. Et puis voilà, je lui ai proposé, il est chaud, donc il reste plus qu'à monter un peu ça. Là bon, il se refait encore un peu la main, mais d'ici peu je pense qu'on va pouvoir commencer Free Ghost 3 enfin. Après toutes ces années, il était temps. Du coup voilà, mais voilà, on a, du coup, nous trois, on a avec tous les persos, on a accès à Free Ghost 3. Là, on en chie un peu sur le glour du coup, mais quoi? Pourquoi il est vulnérabilisé? Ah merde. Ok. Je capte pas pourquoi lui il est invulnérabilisé par contre. Il est invulnérable.
Ah oui, corruption, d'accord. Ok, on est toujours là. On a perdu le... Toi, tu crains... Ouais, allez. Ah bah, pile au moment où j'allais pas le faire, tu vois. Ah, j'ai pris le temps de jouer. Ah, quoique, en fait, non, j'avais pas forcément mieux à faire. On va continuer à cacher le Drake. Ah, du coup, là... Du coup, là, ouais, la strat, c'est typiquement en diagonale. Et encore, je suis près d'un mur, donc c'est débile, mais... La strat, tu te mets en diagonale avec tous tes persos, parce que sinon, c'est sûr que tu vas rentrer dans quelqu'un. Oh, ça tape fort. Bon, là, faut que je passe en full heal, du coup. Lui, ça va, lui, ça va. Y'a que moi qui prends cher. Oh, Cthulhu 300, pas dégueu. Ah, je vais le mettre comme ça parce que sinon on n'y voit rien. Ah, Dragonnet, il a plus de vie. On t'en fout, c'est pas grave. Ah merde! Merde! Oh. Ouais, je m'enflamme souvent à faire ce combo. Ah mais oui, mais c'est parce que j'ai plus les PA, je suis plus en Drake. D'ailleurs... Le mec suit bien le jeu quand même. Hein. Du coup, je vais faire un Drake. Bon, là on est bien. Là on est bien. Cool. Ah, non, 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 le tape pas. Hein. Ah ouais. Merci. Là. Le problème c'est qu'il serait un... En fait faut le taper à chaque fois, c'est ça qui est relou. Ah ouais mais c'est chaud là. Comment je vais... je peux pas. Ah fuck hein. Non, il va forcément aller le taper. Attends, 4, 5, ouais. Faudrait que je le monte ça en fait, c'est pratique. Je l'ai que rang 1 mais c'est pratique en vrai. Tu fais des misplays comme ça. Ok, ça c'est bon.
Ouais, là il va invoquer deux mobs, ça va être insane. Oh là là, ouais, bah oui. Ouais, bah oui, évidemment, mets-toi bien là. Hein. Et on va lui donner le DPA. Ah putain, j'ai cliqué trop de fois. J'aurais dû y aller au clavier, ça aurait été plus utile. Ok, ça tape. Ok. On se débrouille quand même bien. Franchement, c'est la meilleure des tentas pour l'instant. Et pourtant, j'ai fait 2000 SP. Hein. Tac. 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 Bon, j'aide comme je peux, hein. Je suis coincé. J'avoue, j'aurais pu le taper pour partir. Ça va bien se passer, je vais me mettre en mode heal. Je go en mode heal. Et... Parfait! Quel positionnement! Tac! 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 Toi tu vas quand même heal. Et j'ai assez pour te donner un pad. Et on reste pas à côté. Moi, lui. Prochain tour, tu pourras me donner PAPM. Bien sûr. Ça se passe bien là. Si on continue comme ça va. Ça devrait se passer. En 9 tours, mais. Il en est où lui? Ok, 300 puissance, propre. Ouais, il va faire mal. Il a fait quoi? Ah merde! Bah non, il pouvait venir là. Je capte pas. Je capte pas pourquoi il a fait ça. Il est désinvulne pour les mecs qui étaient à côté? Ok, il voulait PA.
PM. PA, qu'est-ce que je peux avec 4 PA? Bof, c'est jamais. Si tu peux en faire quelque chose, ne serait-ce au moins se pousser, s'en aller, je sais pas. Cupidité. Voilà, en vie on est bien. On a pris de l'érosion, mais ça va. Je prends 600 d'érosion en 10 tours. Il y a pire. On est bien, on est bien. Il y a 9000, 10000. Et ouais. Ok. On se casse, ça a rien de rester là. Et j'ai encore mal joué. J'ai encore mal joué. Je peux te donner les PM, mais pas les PA. Désolé copain. Se lance cette pièce. Ah, un PM encore. Oh, comment j'allais me chauffer pour le taper là. Tac, 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 tac. Je me tâte à passer en tofu en fait. Du coup, ouais, si je prends un tofu, je peux lui prendre sa place, en fait, en le contrôlant. Pas lui donner les PA, mais c'est déjà ça. Et ça sert à rien que je fasse ça. 'Donc, trop gourmand, mon ami. Bon allez, il va prendre grave cher ce tour-là.
14-10, c'est pas dégueu, hein. Et si on la lose là maintenant, comment j'ai les nerfs? Déjà minuit. Eh ben. Ok. On PA le copain. On PM le copain. Et. Ok. Copain. Je comprends rien, il est là, ils me disent qu'il y a 2 PM et il avance quand même. Il a moins de. J'ai pas compris ce tour. Ouh. Ça y est. Et ça, ça coûte combien? Ça coûte 4. Et ça, ça coûte 2. Oh, parfait. C'en est fini? Ah d'accord, il reste 2, combien de PM il va utiliser? GG! Enfin! Enfin! Tout ça pour 2 millions d'exp. Ok. Putain, pas un seul loot, hein. Je suis un peu deg. Bon, bah voilà. Puis donjon fin, bon bah aucun succès parce que on n'a pas eu de trophée, on n'a pas eu d'idole, rien. Du coup voilà. J'espère que c'était quand même sympa à regarder et qu'on se retrouve à la prochaine. Allez, salut.